Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, séance bas des pecs. Bah oui, on a déjà fait la largeur, on a fait la partie serrée, et là on va faire la partie basse. La partie haute, en fait, le banc n'est pas inclinable. À la base, c'est un banc abdos, ça, d'accord? Donc, on va travailler le bas des pecs. La partie haute sera réservée, pardon, pour la salle, mais là on peut faire de bonnes choses en bas des pecs. Prends deux haltères, ce programme sera constitué de trois exercices. Premier exercice, développé, couché, normal, mais on va descendre un tout petit peu les bras pour solliciter les bas des pecs. On l'a déjà fait pour. J'ai déjà fait cet exercice dans la vidéo où j'étais au sol, mais c'est pareil, d'accord? Parce que c'est un très bon exercice, c'est la base. On n'a pas un banc déclinable, d'accord? Donc ça remplace. Allez, hop! Hop! Là, t'es en position normale. Là, t'es en position normale, ok? Tu descends un peu les bras. Et là, on est bon, ok? 4 fois 10 reps. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Là, c'est la première. En plus, j'ai dit que je prendrais une feuille normalement pour noter pour pas que j'oublie. Je vais pas oublier là, c'est la première. C'est la première. Oh. Tu sais que les exercices bas des pecs. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à l'ancienne, quand j'étais au Fitness Park de Pantin. C'était l'une des vidéos qui était le plus vue de ma chaîne auparavant parce qu'il me semble qu'on a plus de 10 000 vues dessus. J'étais tellement content et j'ai montré à tout le monde. J'ai appelé toute ma famille pour dire que j'avais 10 000 vues sur YouTube. Est-ce que tu te rends compte, l'enfant heureux que j'étais grâce à cette vidéo? Oh. Mais là, ma plus vue, ça doit être l'exercice épaule. 5 exercices épaule. On est dans les 24 000 vues et franchement, je suis grave content. Merci beaucoup. Allez, on repart. Oh, allez. Deuxième série, faites. Tu vois, la musculation, c'est ça. Tu travailles, tu te reposes, tu discutes un peu, tu rigoles, tu retravailles, tu te reposes. Il y a plusieurs moods en musculation. Il y a un mood où tu veux rien entendre. Tu veux juste pousser, tu veux te défouler. Et tu as un mood en mode détente, tu vois. Quand tu veux te défouler, c'est plus c'est passé un truc dans la journée ou dans ta vie et tu as envie d'extérioriser. Et quand tu es en mode détente, c'est que tu sais que tu dois faire ta séance. Tu n'as peut-être pas la motivation ou l'envie de la faire et tu la fais en mode détente. Tu fais ta séance, tu parles, tu rigoles. Moi, quand je suis à la salle avec mes gars, c'est ça. On pousse, on parle, on rigole, mais on pousse, on envoie. Et quand je suis tout seul, je mets ma musique tranquillement et j'envoie bien, j'envoie fort. Oh. On va faire la troisième tranquillement. Il est 53, enfin 53 secondes. Hop, on balance. Ouh. Hop, position de départ, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Oh. Tu sais que là. Attends. Hop. Là.
dans la chronologie où tu vois cette vidéo, c'est le troisième programme que je fais en un jour. Parce que je t'explique, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'avais un tournage aujourd'hui, d'accord? J'ai pas pu aller m'entraîner. Ce tournage m'a pris toute la journée. Donc là, je suis chaud. Je fais les choses bien. Ouh, on va faire notre dernière. Tranquillement. Franchement, je suis bien là. Je peux me reposer hein, et m'arrêter. Mais non. Non, on enchaîne. Oh, parce que vous savez, à la salle, moi, je me détruis, moi. Je me détruis vraiment. Je fais les choses bien. Allez, dernière. Hop. Oh, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Hop. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Prends une à deux minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Et exercice suivant, on va sortir du développé couché en prise serrée, mais les mains légèrement en bas. Ok? Je te montre le placement. Hop! Position de départ comme ça, mais t'es légèrement plus bas. Ok? C'est parti. Une. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Là, je sens bien mes pecs et mes triceps. C'est la première série. D'accord. On va en faire 4. Ça fait mal. On va s'arrêter à 50. Tranquillement. Ok. Faire les choses bien. Tu sais, les pecs, c'est pas juste tu fais un entraînement pec, t'as des pecs. T'as plusieurs parties dans les pecs. T'as la largeur. T'as le haut des pecs, t'as le bas des pecs, t'as le milieu. Après, il faut travailler ses pecs en épaisseur, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la charge pour construire de la viande. Il faut manger. Et c'est un truc de fou. Oh. Mais c'est pas compliqué. En vrai, c'est pas compliqué. Dès que t'as compris qu'il faut manger et pousser plutôt lourd, c'est bon. Alors, on repart pour la deuxième. Ouh. Deuxième, tranquillement, on est bien. Il y a un youtubeur fitness qui s'appelle Alex Levent, un asiatique. Franchement, il est bon. Ah, il est bon, il est très très fort. C'est un adepte des programmes poids de corps. Il a une bonne histoire, une sacrée histoire. Il fait les choses bien. Et lui, dans la période où je te parle là, en février 2021, il y a une période où il a fait une vidéo par jour pendant au moins 3 mois. Ce mec est fou. Ce mec est fou. C'est un bon. Moi, il me passionne, ce mec. Il est incroyable. Oh. Je sais pas si je vais réussir, mais objectif, battre Alex Levent. En productivité, franchement, lui, c'est un bon gars. Bon, les 54, on repart tranquillement. Hop. Oh, comme je t'ai dit, toi, tu peux partir 1 minute ou 1:30 max. Allez, c'est la troisième là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, il en manque une. Oh, il en manque une. Allez. Oh putain. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Il en manque une. Après, on est bon. Oh. Ah ouais, là, franchement, je sens que mon corps il commence à me lâcher là. Oh. Ouais, ça c'est parce que j'enchaîne le troisième programme, c'est pour ça. Mais après, il y a encore un exercice. Bah oui, il faut faire les choses bien. Dans tous les cas, après ça, je me repose 2 minutes tranquillement et j'envoie. J'envoie. Je prends une petite gorgée. Et on sera bien. Oh. Allez. 47, 48, 49. Ok, bam. Hop, dernière de cette série-là. On y va. Ouh. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7. 8, 9 et 10. Ouh. Bon, là, prends une à 2 minutes de repos. Moi, j'en prendrai 2. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, développé, couché, en prise, neutre. D'accord ? Mais légèrement bas des pecs. Ok ? Comme le normal. Je te montre le placement. Hop, position de départ comme ça, normalement on se met là, mais on va descendre, on va se mettre là, ok, 4 fois 10 reps, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Oh, ouh, ça fait du bien. Bizarrement, là, je sens presque que mon bas des pecs. Incroyable. C'est important de varier les prises. Varier les prises en musculation, ça t'aide à bien évoluer. D'accord ? La prise neutre, je kiffe l'utiliser en développé couché. C'est une prise que je ne faisais pas souvent avant, mais je commence à faire petit à petit dans mes programmes. Je ne dirais pas que grâce à ça, j'ai 3 fois plus de pecs, mais grâce à ça, je ressens mes pecs encore plus dans mes séances, d'accord ? Et ça, ça me donne l'impression d'évoluer. Oh, parce qu'en musculation, il faut créer du changement. Il faut choquer son corps. C'est important. Je sais que certaines personnes n'aiment pas l'expression choquer le muscle. Et moi, j'aime bien, donc j'utilise, ok ? Bon, les 50, on va passer à la deuxième tranquillement. C'est parti. Oh, allez. Ouh. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Deuxième session validée. Ouh. Là, je me sens beaucoup mieux que la prise serrée. La prise serrée, elle m'a anéanti carrément. Mais celle-là, ça va, elle me met bien. Elle me met plutôt bien. Oh. Oh. Bon.
J'espère vraiment que ces programmes vont plaire pour le mois de février. Comme je t'ai dit, le but, c'est de faire exploser la chaîne. C'est de faire les choses bien, d'accord? On va faire exploser la chaîne. Et après, on va essayer de faire des programmes dans des endroits, dans des meilleurs endroits, tu vois. Et essayer de mettre le budget, louer un local, faire des trucs dans des fonds blancs, tu vois. Ah, mon but, c'est que tu sois balèze comme moi, d'accord? Pour que si un jour on se voit, on peut faire un poste biceps comme ça, d'accord? Il faut qu'on ait les mêmes bras, c'est important. Allez, troisième, et les 54, on y va. On y va. Oh, allez. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ouh. Il en reste une. Et on est bon. Allez. Oh, putain, je suis KO. Je suis vraiment KO. Oh. Mais bon, c'est ça la salle. Moi, tu vois. À l'inverse de certains coachs que tu peux suivre, je suis quelqu'un qui est fatigué aussi. Mais après, juste voilà, je suis quelqu'un qui est fatigué au bout de trois programmes d'entraînement, c'est normal. Je suis pas le mec infatigable, tu vois. Certaines séances, je vais pas être infatigable, mais là, déjà, je les sens bien là. C'est des petites charges, c'est 14 kilos, mais je les sens bien. À répétition, ça use. Et moi, comme je suis dans un objectif de tracer un peu, d'être esthétique, franchement, c'est bien bon pour la dernière. On va attendre une minute, hein. Il est 55, tranquillement. Oh. Allez, on fait la dernière bien et on valide notre séance tranquillement. Oh. Allez. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Bon. Oh. Attends, je souffle un peu tranquillement. Tu prends 2-3 minutes de repos et tu souffles bien. Bon, moi, je me suis bien posé. Après cet exo-là, soit tu passes à un exercice d'un autre programme que j'ai fait, ou sinon, c'est la fin pour toi. Repose-toi tranquillement et prépare-toi pour la suite. Si tu as aimé cette petite vidéo, je t'invite à mettre un petit like, un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.